Salut, aujourd'hui nous apprendrons à jongler avec quatre balles, aussi appelée la fontaine. Si vous regardez de près, la fontaine est une paire de deux balles dans une main, jonglée asynchrone. Alors assurez-vous de pouvoir jongler deux balles dans chaque main sans aucun problème. On y va, et c'est la première étape. Suivez ces étapes et je suis sûr que la fontaine sera bientôt la vôtre. Nous commençons par lancer la balle droite en l'air. Dès que la balle droite atteint le sommet, nous lançons la balle gauche. Je suis sûr que vous avez reconnu que nous lançons les balles un peu vers l'extérieur. C'est important à retenir, parce que vous ne pouvez pas toucher si facilement les balles en l'air. La première étape, aucun problème pour vous, donc nous ajoutons une 13e balle. Nous commençons maintenant avec deux balles dans notre main dominante et une balle dans la main non dominante. Comme avant, nous lançons la balle droite en l'air. Dès que la balle droite atteint le sommet, nous lançons la balle gauche et environ lorsque les deux balles se rencontrent dans les airs, nous lançons la deuxième balle droite. Faites cela encore des deux côtés. Commencez aussi avec votre main non dominante. Très bien, et ici encore un peu plus vite. D'accord, nous sommes prêts pour la dernière étape. On y va. Et encore comme avant. La première balle en l'air. Deuxième balle, la réunion. Deuxième balle droite. Et maintenant, nous connectons les trois balles jonglage de chaque côté d'avant. À partir d'ici, c'est juste répétition. Maîtriser la fontaine n'est pas facile, mais avec quelques semaines d'entraînement, tout le monde l'apprendra. Enfin, j'espère la vidéo t'a plu. Dis-le-moi en commentaire. Donne-moi un maximum de likes. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt chez Infinite Tutorials.